La nuit de Neuch. Hein? On s'en rappelle de la nuit de Neuch. Hein? Comme dit la réclame à la télé, ferait pas ça tous les jours. D'autant que elle est comme du ragoût récoffé. Elle est au comeilleux le lendemain. Oui, non. Oh. Ah, mais il n'a tout de même à la nuit de noces, il n'a qu'avait des mauvaises surprises. Tu que fais, non, je suis arrivé, tu que fais. Hein. Et c'est-il le premier homme à dormir avec toi? Ben, si tu dors, oui. Il n'avait qu'y bricoler un petit peu. Non, attends, prête-t'es, bout de bande. Ah! Oh, elle te fait mal? Oh, mais non, mais elle, le premier coup que je couche avec un homme qui a les pieds aussi frais. Il n'a que tes cotons. Ah, ben, c'est bien cotant. C'est bien cotant que t'as toujours voulu être sérieuse devant d'être mariée, je regrette pas. Oh, mais non, c'est bien cotant. Ah, ben, tu sais. Il y a une demi-douzaine d'inventaires qui m'avait repensé alors. Alors après ça, était la lune de miel. On appelle ça comme ça. Poutchik, on appelle ça comme ça. Bon, la lune encore, mais le miel. Alors là, je vous garantis que Suze qui n'avait pas essayé avant le mariage, je vous garantis que là, il rattrapait le temps perdu. Hein. Oh là là. Toutes les occasions étaient bonnes. Le matin avant de se lever, le matin avant de partir, le midi à l'apéritif, le midi après manger, avant de souper, après souper. Oh, mais le soir, il avait même plus le tuer de se coucher. Il avait été couché toute la journée. Et puis, autre fois, on n'avait pas la télé. Alors, faut dépenser le temps. Hein, ouais. Tu sais qu'on faisait la télé, on se la faisait nous-mêmes. Lundi, va y avoir du sport. Mardi, 7e ciel, mon mardi. Mercredi, sacré soirée. Et jeudi, la dernière séance. Et le vendredi, touche à la lune. Ah, puis le samedi, là, là étaient les grands moyens, on montait sur leur mouet, là. Ah oui. Ushuaïa. Le magazine de l'extrême. Ah, puis le dimanche, ça continuait tout, ça n'arrêtait pas. Hein. 7 sur 7. Moi, je sais pas le divan. Après ça, deux films, sinon rien. Puis on finissait par le cinéma de mes nuits. Oh, mais, puis dans la journée, ça marchait tout. Hein. Matin bonheur. Les feux de l'amour. Amoureusement vôtre. Salut les musclés. Elle tirage du loto, elle tapis vert, elle tac au tac. Un coup au grattage, un coup au tirage. Puis le midi était le café des pauvres. Oui, après le journal télévisé. À l'heure de la bourse. Allô, le palais Grognard. Avez-vous les cours de la bourse? Oui, hausse de la chemise, baisse du pantalon, va et viens dans la fourrure. Mais
Il n'avait que fait qu'il déchantait tout de même. Ah oui, oui, non, mais c'était pas comme ça qu'il avait vu les choses. Hein. Ah oui, non, non. Comme dit l'autre, les trois premiers mois de notre mariage, je ne me suis pas rendu compte comme un homme y buvait. Jusqu'au jour où il a rentré à jeun. Il y avait tous des belles-mères qui étaient pas contentes. Mais tu sais que ça veut dire, sale jambe? Ma fille m'a dit que tu y avais tapé dessus. Tu l'as tapé. Le tapé avait mon moucheux. Oh ben oui, maman avait son moucheux peut-être, mais il se mouche avec ses dents. Alors, il y avait ceux qui étaient pas trop boujouteux. Regarde, le voisin. Puis la voisine. Il dit bonjour tout le temps. Tu devrais en faire autant. Ben, mais je veux bien, mais la voisine avait dit voulait. Poutique, tu me fais jamais comme Alain Delon, l'autre jour dans le film à la télé. Il m'a dit, hé, t'as vu combien qu'il a payé, il bouffait ça?